Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série sur Earth of 24 avec la France. On a beaucoup de choses à faire. On m'a fait remarquer dans les commentaires de l'épisode précédent que j'avais mis mes MP dans mon infanterie coloniale. Et que j'en avais pas mis dans ma cavalerie. Ce qui est un peu dommage. C'est pour ça que je recrute cette cavalerie, c'est pour faire la police. Du coup, déjà un problème de régler. Ensuite, je vais réajuster mes réparations. Je vais mettre en priorité toutes les usines civiles afin de pouvoir réparer les infrastructures, les usines militaires et tout le reste plus rapidement. Et aussi par la suite, recruter des raffineries. Tandis que je ne suis pas du tout autonome en pétrole. Je suis loin de l'être d'ailleurs. Ce qui est assez agaçant étant donné que je gaspille beaucoup d'usines civiles pour importer du pétrole. Et ça, c'est pas terrible. Du coup, allez hop, plus que ces 3 là, 2, 1, voilà, c'est bon. Ça c'est fait. Ensuite, je vais devoir faire des camions. Donc, je manque atrocement de camions. C'est juste astronomique le nombre de camions que je ne fais pas. Enfin, j'en fais déjà 26 par jour, mais c'est pas assez. Il m'en faut 7463. Si j'en ai pas assez, ça va être un peu problématique. Par contre, j'ai largement assez de canons. Du coup, on peut baisser la production de l'artillerie. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça, c'est fait. Je vais devoir aussi, tant que je suis là, remplacer mes sous-marins par des convois. Donc, si je veux débarquer au Japon, il va me falloir beaucoup de convois. Et là, j'en ai que 269. C'est pas beaucoup. C'est très très peu. C'est même... C'est loin d'être assez pour déplacer des troupes. Hein. Franchement, pour moi, c'est ridicule. Pour une nation comme moi qui suis censé être un peu partout sur les mers, avoir aussi peu de convois, c'est pas la joie. Ensuite, je vais changer mes flottes. Enfin, changer mes flottes. Changer les ordres de mes flottes. On va changer ça. Voilà, tu vas ici. Ensuite, la flotte, celle-là. On va changer les ordres également. Tu vas toc, toc, là. Parfait. Et cette dernière. Tu vas mer du Japon, mer de Chine orientale, oui. Et dans mer jaune. Tout ça, c'est afin d'avoir le contrôle maritime des mers tout autour du Japon afin de pouvoir débarquer au Japon. C'est déjà la base, en même temps, ça va me permettre d'éventuellement couler la flotte japonaise. Ce qui serait pas mal. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais devoir importer beaucoup de pétrole. Passe-moi du pétrole, le russe, s'il te plaît. Après, il va falloir que je passe tous mes bombardiers. Les bombardiers, il faudra que je les mette ici. Étant donné que si je veux pouvoir débarquer efficacement sur le Japon, il va me falloir ramener toutes mes escadrilles de bombardiers. Bon, déjà, ce que je peux faire, c'est demander à mes chasseurs de venir. Vous allez ici, s'il vous plaît. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il veut dire par tac? J'ai pas trop compris. Bon, j'ai aussi d'autres choses à faire. J'ai tellement de choses à faire, c'est juste incroyable. Du coup, toi, tu vas sur ce front-là, s'il te plaît. Et on va lancer une offensive pour prendre la Corée. Parfait. Ensuite... Vous, tu m'attaques cette poche, s'il te plaît. Toi, tu vas ici. Touk, touk, touk. Si vous pouviez remonter pour aller là-bas, ce serait pas mal. Quant à vous, attaquer cette pauvre division japonaise qui n'a plus de ravitaillement, ça devrait pas être trop dur, je pense. Ici, on m'a fait remarquer que le Siam est en train de remonter. Du coup, il faut que... J'aille bloquer cette avancée. Du coup, on va prendre ces troupes-là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On va créer une nouvelle armée. Avec ces 19 divisions menées par le général Thomas Antoine.
On va définir la frontière ici, s'il te plaît, afin de bloquer le Siam. Toi, tu continues. Ensuite, Végan. Il a deux unités ici, lui. Ouais, toi, tu vas chez Gamelin. Bon, sinon, Végan, on va changer le plan. Enfin, changer. Au lieu de commencer ici, tu commenceras là. Et au lieu de finir ici, tu vas finir là. Pourquoi je change ça? C'est afin de rejoindre le plus vite possible les Russes au nord. Et ainsi aussi éviter que le Royaume-Uni ne rentre trop en Chine. Et cela afin de réduire la taille du front. Ce qui serait bien mieux. Sinon, pour ce qui est de Gaulle, tiens, toi, tu pourrais faire le tour ici pour revenir. Je pense que ce serait pas mal. Ouais, 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 on va faire comme ça. Oui, toi tu m'écrases ce machin. Parfait. On va mettre une ligne de front ici. Ce sera pas mal. Mais c'est bien tout ça. Tiens, ici on a quoi? On a déjà coulé 3 sous-marins. Ok, c'est pas mal. Je vais changer quoi? Je pense améliorer l'attaque des forces spéciales. Les forces spéciales, c'est les Marines, les Paras et les Montagnes, je crois. Bien. Parfait, là ça règle le problème. Ici il y a une petite attaque, ici on les a explosés. Vous allez tous ici, s'il vous plaît. Là, on est en train de les exploser. Non mais... On va l'ordre offensif là, parce que le mec il attaque sans aucune raison, seulement parce que monsieur a reçu l'ordre d'aller en d'attaquer alors qu'il n'a pas l'organisation pour attaquer. Oui, ce sont ces divisions là du coup. Tu vas ici s'il te plaît. M'agace ça, ces ordres là. Tu vas là. S'il te plaît. J'aimerais éviter de voir des troupes faire le tour du monde. Tiens, toi, tu vas commencer à aller à Vladivostok. Dans les que c'est de Vladivostok que je placerai mes troupes pour débarquer au Japon. Enfin, le quartier général sera à Vladivostok, mais sinon mes flottes sont éparpillées dans différents ports. J'avais préparé tout un plan. Tout ce que je devais faire, je l'ai marqué sur un bout de papier. C'est vous dire que tout est organisé. J'ai pas mal réfléchi. Bien, ici, ça a été fait. Parfait. Ben, mon cher Georges, tu peux lancer ton plan pour l'invasion de la Corée. Si on pouvait atteindre ces... Ça, avant que lui n'y arrive, ce serait pas mal. Allez, vas-y. Qui va arriver en premier? Ah, c'est lui! Ah, zut! Parfait. Bon, on aura au moins bloqué ces quelques divisions-là. Toi, tu fonces sur Busan. Ça, on encercle cette division. Elle sera plus ravitaillée. Et elle se fera complètement détruire, annihiler, oblitérer. Il n'y avait même personne à Busan. C'est bizarre qu'il y ait personne quand même ici. Je pensais qu'ils allaient un minimum protéger le truc. Mais non, que dalle. Bon, va ici s'il te plaît. Ici, c'est bon, lui il est totalement encerclé. Il va se faire du coup défoncer. Désolé petite division. Tu es fichu. C'est la fin. Ici, ok, il s'est rien passé. Bien, je vais lancer l'offensive dans le sud de la Chine. Parfait. Allez-y, foncez vers le nord, s'il vous plaît. Ici, on a presque fini ça. Toi, va me prendre ça, s'il te plaît. C'est la dernière ligne de front. Bien. Ici, c'est fini. Parfait. Georges, il a fait son job. Du coup, on va l'envoyer... dans le nord de la Chine.
Tu, dans le nord de la Chine. Parfait. Ensuite, mon cher Gamelin, toutes tes troupes, tu les envoies... Attends, on va faire ça. Toutes tes troupes, tu les envoies à Vladivostok. Là sera le quartier général pour débarquer au Japon. Bien. Pendant ce temps, mes troupes de Georges vont arriver au nord et on leur donnera... Tiens, on va déjà faire le plan. Le plan, il est très simple. Rejoindre les copains. Voilà, ça, ce sera le plan. Parfait. Toi, ce serait bien d'avancer, s'il te plaît. Hop, 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 on avance. On avance, s'il te plaît. Tiens, ici, on en est où? On en est là, bah, parfait. Alors, vous trois, enfin, vous quatre, vous allez ici. J'aimerais prendre le Siam pour moi, et pas pour mes alliés. Pas pour le Raj britannique. Ça me ferait plaisir de les prendre pour moi, et pas pour lui. Vous voyez qu'il y a pas mal de ressources, hein. Je crois qu'il y a pas mal de caoutchouc dans le coin. Ah, c'est ça, 70 de caoutchouc, c'est pas mal le caoutchouc. C'est pour faire des pneus, des camions. Pour aider le bonhomme Michelin. Bibindom. Moi ça. Toi tu t'attaques pas. Moi j'attaque, toi t'attaques pas. Il n'y a que moi qui ai le droit d'attaquer. Toi tu vas là, s'il te plaît. Rejoignons les Russes. Tiens, oui, ce qu'il faut que je fasse là, j'ai fini ça, il faut que je recrute des Marines. Et il me faudrait absolument des Marines pour attaquer le Japon. Si j'ai pas les Marines, ça risque d'être très compliqué. Très très compliqué. Hop, allons rejoindre ce territoire-là. Tiens, tu vas m'attaquer ça, s'il te plaît. Si je pouvais prendre ces territoires pour moi, France, et pas pour les Russes, ce serait autant... Non mais oh, vous allez pas me faire croire que l'alarme, elle va sonner pendant trois plombes, hein. Vous allez m'éteindre cette alarme de voiture. Pourquoi ça, chaque fois que je fais des vidéos? Non, c'est faux, c'est pas chaque fois. Mais par principe, ça m'énerve, ça m'agace. J'aime pas quand ça m'arrive. Tiens, toi, si tu pouvais attaquer ça, là. Bon, j'aurais bien voulu la prendre dans la poche, mais ça ne se fera pas. Dommage. Toi, tu vas là. Toi, tu m'attaques ce machin, là. S'il te plaît. Ça, c'est en option pour le détruire. Je sais pas, je demande. Ils ont plus de ravitaillement, presque encerclés. L'attaquer, je pense, ce serait pas mal. Surtout, ça permettrait d'éviter que 9 divisions soient bloquées ici. Je propose. Bon, oui, j'accepte ça. Ah là là, à force de me demander toujours la même chose, c'est agaçant. Ok, alors lui, il va devoir faire tout le tour. Il va devoir retourner jusqu'à Paris. Sérieux? Fucking killing me. Bon, au moins, on aura réglé ce petit problème ici. Tiens, tu vas me détruire ce truc, s'il te plaît. C'est bon. Là, ça va être détruit. Ah, nous avons amélioré notre infanterie. L'infanterie anti-char. Non. Je vais aller en ingénierie afin de faire le calculateur avancé. C'est une technologie 42. Il faudrait que je la fasse, celle-là. Ça prend déjà du temps. 205 jours. C'est énorme. Bien. Ici, ça a été pris pour nous. Parfait. Là, maintenant qu'ils sont plus ravitaillés, ça devrait le faire. Attaquez-moi ça, s'il vous plaît. Toi, tu m'attaques ça. Enfin, tu m'attaques. Tu vas me prendre, ça, tout.
Enfin, même pour nous, c'est génial. Attaque-moi ça, nickel. Je protège les Russes, là. Je réduis le front que les Anglais peuvent prendre aux Russes. Ce qui est pas mal. Bien. Ici, il y aura ces deux dernières troupes et on pourra préparer le débarquement. Tiens, ici, il a fait son job. Nickel. Eh ben, tu vas aller ici. Parfait. Ici, ça le fait. Bien, on peut reprendre les territoires pour nous. Hop. Hop. Hop là. Et tu vas me détruire ce truc. Bien. Détruisons ça. Cette petite division du Siam. Renversé. Nickel. Du coup, vous. Le plan. Il est très simple. Allez jusqu'à Singapour, globalement. Globalement, c'est l'idée. Et vous me lancez l'offensive tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre. Ça va le faire. Je m'inquiète pas trop à ce sujet. Bien. Sinon, là, ça se passe très bien. Tiens, toi, si tu pouvais aller sur le front, ça m'arrangerait. Je dis ça, je dis rien. Ici, ça avance. C'est bien tout ça. Dès que ça, ce sera fini, je lancerai l'offensive. Initiative du chasseur vétéran. Bien, ce que je devrais faire, c'est améliorer mes doctrines navales, surtout pour mes sous-marins. Pour mes sous-marins, ce serait pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, aucun intérêt. Ça, c'est les messages. Ouais, t'as ça. Je m'en fous. En tout cas, la Chine, on est en train de la reprendre. Ce qui est pas pour me déplaire. Tiens, toi, tu peux pas détruire ça, s'il te plaît? Sont totalement encerclés, non ravitaillés, et en train de se faire défoncer. Parfait. Deux divisions en moins. Ils en sont là, presque plus de 800 000 morts. C'est bon ça. Tiens, attaque-moi ça là. Attaque-moi ça. Bon bah ça a été détruit. Et c'est les Russes qui ont pris. Ok. Bien. C'est les Russes. Prennent, c'est pas nous. Ils sont totalement encerclés. Mais bon. C'est pas trop grave, étant donné que les Russes, d'ici peu, n'auront plus à s'occuper du front chinois. Détruis-moi cette division, s'il te plaît. C'est mieux. Nickel. Du coup, Georges. À l'assaut. Attaque-moi ça. Eh bien, c'est tout se passe admirablement bien. Toi, tu vas là. S'il te plaît. Va me prendre ce territoire. Pour moi. Enfin, est-ce que ce sera moi qui l'aurai ou les Russes? Je crois que ce sera moi. J'aurai le territoire. Bien. Du coup, ici, j'ai encore plein de points. Oula. Eh bien, je vais fuir pour la cavalerie. Attaque motorisée. S'il vous plaît. Cette mission, c'est prendre Hong Kong. Hein, dernière nouvelle. Voilà, allez me prendre ça, là. C'est plus simple. On en est où, ici? Presque fini. Infiltration en profondeur. On a fini la dernière doctrine terrestre. Parfait. Du coup, je vais aller sur l'artillerie. Il faut que j'améliore mon artillerie. J'ai un peu de retard à ce niveau-là. Parfait, hop. 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 Détruisez-moi ces deux dernières divisions. Ici, j'ai terminé mes bombardiers navals. Du coup, je vais les améliorer pour qu'il soit possible de les mettre sur des porte-avions. Parfait, et ici les deux dernières divisions. Au revoir. Bien, on a réglé le problème ici. Du coup, vous retournez chez Juin. S'il vous plaît. Allez hop, vers Hong Kong. Et ici, ça se passe très bien. Là, on a réussi à les renverser. Là, d'ici peu, ce sera détruit.
Voilà, hop, on met quelques renforts. Boum. Trois divisions japonaises qui vont périr. Nickel. Si, c'est bientôt fini. Tiens, il faudrait que je fasse le plan, là. Eh bien, je vais le faire. Ça, ce sera pour plus tard. Alors, le plan. Je vais prendre 10 divisions pour qu'ils puissent partir de Vladivostok et pour atteindre cette plage, ce territoire. Mon objectif, ça va être de prendre ce port-là. Étant donné que pour ravitailler nos troupes, il faut un port. Et si j'ai pas de port, mes troupes vont se faire attaquer sans cesse et au final vont disparaître. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Du coup, faut que je prenne ce port, je vais débarquer sur plusieurs plages et même sur le port en question quand j'aurai mes unités de Marines. Hop, 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 hop. J'en veux 10, s'il te plaît. Voilà. Toi, tu vas partir de Port Arthur pour atteindre ce territoire-là. Nickel. Ensuite, les 10 divisions suivantes vont partir de Busan, en Corée. Voilà, et vous irez ici. Parfait. Les 10 divisions suivantes partiront un territoire plus au nord. Partiront à nouveau de Russie. Ils partiront de ce port-là. J'ignore comment il s'appelle. Et tu vas attaquer cette ville qui s'appelle Aomori. Et les 10 dernières divisions, venez, hop, voilà, vous partirez de ce port-là pour débarquer directement sur le port qui nous sera vital. C'est comme pour le débarquement en Normandie. Les alliés avaient besoin d'un port. Du coup, ils ont amené le port avec eux. Sauf ce qu'on ne peut pas faire sur Earth of Iron 4. Les mulberries, hein, des blocs de béton de plusieurs dizaines de milliers de tonnes qui étaient creux, qui étaient remplis d'air. Et lorsqu'on arrivait à destination, on les remplissait d'eau. Hop, ça se plaçait. On avait un ponton. Nickel, on avait le port. Il y avait deux ports. Il y avait celui d'Aromanche et un autre. Et ça avait permis aux alliés d'éviter à prendre un port qui était hyper défendu par les Allemands pour ensuite ravitailler leurs troupes. C'est vrai que les ports, c'est ce qui a tenu le plus longtemps. Hein. Les derniers poches de résistance, il y en avait encore en France le 8 mai 45. C'était un truc de taré. Les Allemands, ils ont vraiment fortifié tous les ports. Du coup, parfait. Tous mes convois sont libres. J'ai assez de convois pour mes plans d'invasion navale. Nickel. Du coup, ici, bah, c'est en train de ça va disparaître. Hein. Là, cette petite poche non ravitaillée, elle se fera désinguer tôt ou tard. Hop. Attaquez-moi ça, s'il vous plaît. T'es légèrement ravitaillé du fait que c'est une ville. Mais tu dis que ça disparaîtra tôt ou tard. Prendre ça s'il te plaît. Je suis pas sûr que Hangzhou soit libre hein, par contre. Hangzhou. Mais bon, si ça l'est, on pourrait foncer dessus. Ouais, ça l'est pas. Mais c'est pas fortifié. Enfin, c'est pas gardé. Ici encore un port. Ici ça se débrouille. Opération sous-marine. Bon, on a donc continué d'améliorer ça. Vas-y messieurs. Mon cher, si tu veux bien attaquer, ce serait pas mal. Ils sont que deux divisions, tu gagneras ou la main. Bon, ici, il y a quelques territoires. Hop. S'il te plaît. Toi, tu vas là. Ça, on règle le problème. Bien. On avance. Hop. On attaque. Détruisez-moi cette poche. Parfait. La Bulgarie des légionnaires a rejoint l'axe. Si vous aviez été un minimum intelligent, vous auriez peut-être remarqué que c'est la fin pour l'axe. Surtout en Europe. Il n'y a plus personne de l'axe en Europe.
Bon, il y a l'italien Harold. Ok. Bon, faut que je m'arrête l'épisode là. Mais ça compte pas l'italien Harold. Ça compte pas. Sincèrement. Oula, il y a pas mal de trucs qui vont pas ici. Tiens, toi, tu vas là. Parfait. Ici. Tu vas ici, s'il te plaît. Et on va agrandir les zones de garnison. Ça va pas le faire sinon. Ce serait problématique. Et toi, on va aussi agrandir. Attends que je regarde. Quelques problèmes par là. Du coup, c'est ici. Tu vas aller en Sardaigne aussi. Parfait. On va juste voir le réajustement qui vont avoir lieu. Ok, eux, ils ont accepté de... d'être ici. Tiens, un truc qu'il faut que je fasse, c'est mettre la Wallonie. La Wallonie, il y a un peu de rébellion en Wallonie. Bien. Réglez-moi ces petits problèmes de rébellion. C'est un truc que j'aurais dû faire dès le début de l'épisode, en fait. Hein. Et que j'ai complètement zappé. Ok, il n'y a pas assez de troupes. On va rajouter des zones de garnison. Ok, il y a quelques troupes de la de Tassini qui se déplacent. Parfait. Ensuite, ici, on est vraiment au bord de la chute japonaise. Allez me détruire ce truc, s'il vous plaît. Allez, hop, détruisez-moi ça. Bon, ça va régler le problème des Japonais en Chine. Prochain. Ah bah tiens, ici on a déjà fait ces petits changements, il n'y a quasiment plus de problèmes en Allemagne. À part à Berlin et dans ce territoire-là. D'ailleurs, ici il y a des troupes qui vont s'en occuper là. Ouais, ils sont censés s'en occuper. Et ici aussi, ok. Et ici aussi. Bon, ça se réglera en temps et en heure. En tout cas, prochain épisode... on lance l'opération contre le Japon. Ça va faire assez mal. D'ailleurs, dans 40 jours, j'ai mes Marines. C'est-à-dire, dans 40 jours, je pourrai modifier au moins 10 divisions, surtout les 10 divisions qui débarqueront ici, pour pouvoir détruire le Japon. Mais je pense que la moitié de chacune des divisions seront transformées en division de Marines. Qui fait que sur les 50 divisions qui débarqueront au Japon, 25 seront des Marines. Allez, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. A plus les gens.